Et pour les gens qui n'ont pas encore écouté ce que tu fais, Black Swan, comment tu définirais? C'est plutôt de la trap, c'est quoi ce que tu fais? Après, en termes connotation musicale, oui, je peux appeler ça de la trap, on peut appeler ça comme ça. Mais après, moi-même, dans le fond, c'est difficile à dire, tu vois, parce que moi, de moi à toi, je tente quand même de ramener un petit message. Malgré que c'est de la trap, mais j'essaie d'expliquer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma trap, je travaille un texte, j'essaie de développer un thème, d'expliquer, tu vois. Tu dis d'ailleurs, il y a un fond. Il y a un fond, voilà, exactement. Il y a un fond. Il y a toujours un fond. Dans tout ce que je fais, il y a toujours un fond. Même le morceau Karim Kuluna Benzema, tu l'écoutes, c'est un délire. Mais il y a un fond, il y a un petit message dedans. Tu vois. Voilà, c'est comme ça que je définis la trappe, moi. C'est la trappe selon Black Swan. La trappe selon Black Swan. Chacun sa trappe. Il y en a qui trappent pour ambiancer. Au final, tu retiens rien. Moi, quand je trappe, même si j'ambiance, au final, j'aimerais bien que les personnes retiennent un truc de moi. Ils disent, ah ouais, le mec, il a dit ça, il a sauté une punchline comme ça, ah ouais, pas mal. Tu vois ce que je veux dire?